Hallo allemaal, ik toon jullie vandaag een interview die ik deed met een van de oudste supporters van RWDM, dat ook mijn opa is. Veel plezier. Alors, à 12 ans, j'étais supporter du Racing de Bruxelles, au Vivier Droit. Du Vivier Droit, on a été transféré aux Trois Tilleuls. Les Trois Tilleuls, on a été fusionné avec le Racing Club. Et du Racing Club, nous avons été au Heysel. Et de là, nous avons fusionné avec le Dering, qui est maintenant Racing Club Dering de Wolfsbeek. Cette année-là, nous avons été champions. Et je me rappelle d'un match de Coupe d'Europe que Mertens avait fait une erreur et nous avons perdu le match de 1-2. En championnat, par après, nous avons joué pour le titre contre Anderlecht un mercredi soir. À la mi-temps, c'était 0-0. Et une demi-heure de la fin, Félix Weck a fait monter Zach Teugels. Et le premier ballon qu'il a eu, il a marqué le but et nous avons gagné 1-0. Oui, j'étais supporter du RWDM. J'ai toujours aimé cette équipe, surtout l'année 75, avec les joueurs comme Debré, Teugels. Nous avons été champions deux fois de suite, en 17 et en 18, avec une bande de supporters hors normes. Nous mettions beaucoup d'ambiance. J'ai fait tous les déplacements avec les RWDM parce que j'aime bien de suivre l'équipe. Et nous avons une bande de supporters hors normes qui mettait l'ambiance dans les cars. Je suis content que mon fils et mon petit-fils m'accompagnent puisque j'ai 84 ans et avec eux je sais parler en voiture. Et mon petit-fils m'accompagne et m'aide beaucoup. Et je le prends comme garde du corps. Et je suis fier de voir mon autre petit-fils dans l'ultra. Et je suis fier de le voir dans tous les matchs. Je suis fier d'avoir donné le coup d'envoi. J'étais émotionné. Surtout d'avoir vu tous ces supporters applaudir et d'être à côté des joueurs. Je suis fier de qu'on m'appelle papy, parce que quand on arrive au stade ou bien on boit un verre, on m'appelle déjà papy. Et arrivé à l'entrée du stade, les stewards m'appellent papy aussi. Et je suis très fier et très content. Zo, dat was het dan. Ik hoop dat jullie ervan genoten. Ik zie jullie graag volgende week terug voor mijn derde vlog, waarin ik jullie meeneem op verplaatsing met RWDM. Vergeet me zeker niet te volgen op social media en te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Tot dan!